Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Je vais partager avec vous le message que vous avez à recevoir dans votre santé. Alors, je vais aller zoomer au niveau de la santé, santé, bien-être spirituel. Alors, pour le spirituel, comme toujours, je prends le précieux conseil message carte dans le domaine spirituel et ensuite je partage mon écrit. Je zoome donc dans la santé, au niveau de la santé, du bien-être d'une personne. Et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Et on découvre donc le message. La patience, c'est sa récompense. Donc là, la patience est votre récompense. Donc peut-être suite à des demandes, à des prières, une ou plusieurs demandes, prières, souhaits que vous avez fait. Là, on vous recommande de patienter, hein, et de toute façon, par cette patience, vous allez être récompensé. Ou après, ça peut être aussi après une patience, après une multitude de souhaits, de prières, de demandes, vous allez avoir une récompense. Il y a une récompense. Voilà. Allez, je partage. L'écrit du jour. Alors, c'est du général. Vous faites bien, bien, bien preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas vous parler. C'est normal. Alors, aujourd'hui, je peux avoir une personne. Je vois une personne qui va réussir à sortir d'une toux. D'une toux. D'une toux. D'une ancienne toux. Pour moi, qui n'est jamais partie. Peut-être que vous avez une toux qui ne part plus. C'est peut-être, vous avez peut-être eu, c'est peut-être une ancienne maladie, hein, parce que la maladie n'est plus là. Ou alors la maladie est encore toujours là. Et en fait, vous avez la toux. La toux qui ne part pas. Et vous avez pour moi une gêne. Des suites en fait de cette maladie. Mais pour moi, peut-être que vous n'avez plus cette maladie. Hein. Mais vous avez toujours des gènes, peut-être une gêne respiratoire, une toux qui est toujours présente et qui vous perturbe, peut-être la nuit, vous déséquilibre la nuit. Ça peut vous fatiguer aussi d'avoir une gêne respiratoire. Alors pour moi, la gêne respiratoire, pour moi, c'est du stress, hein. C'est de l'ancien stress, anxiété, angoisse. Et je peux aussi avoir une toux. Une toux, voilà. Une toux persistante. Ouais, c'est une toux persistante. Je vois que vraiment cette toux, la toux va partir. Hein. Donc ça va vous. Quand cette toux va partir, la gêne respiratoire aussi. Alors je dis gêne respiratoire parce que c'est vous qui dites ça pour moi. Gêne respiratoire. Mais parce que vous n'avez plus de maladie. Ou alors vous avez toujours la maladie, mais vous êtes en voie de guérison. D'accord? Mais il y a toujours un séquelle d'une toux qui persiste. Et ça peut être fatigant. Ça peut aussi apporter peut-être le soir, en soirée,
La nuit a peut-être des remontées d'angoisse, de stress, d'anxiété, peut-être des pleurs, peut-être des fois, peut-être que vous déprimez, vous déprimez. Peut-être de cette toux. Toux persistante. Persistante. Je vois que donc votre toux va partir pour toujours. Et la gêne respiratoire qui est liée aussi à votre stress, à votre anxiété, à vos angoisses, la peur, la tristesse et tout ce qui va être libéré de la toux et de la gêne respiratoire, c'est déjà, ça va vous apaiser la nuit, la journée, vous allez vous sentir vraiment extrêmement bien. Dans quelque chose de, un cocon, vous voyez, vous allez vous sentir vraiment bien. En paix. En paix, en tranquillité, vous allez récupérer des forces aussi, physiques et psychologiques aussi pour moi. Vous pouvez avoir de la fatigue physique, psychologique, et vous avez moins de force, moins d'énergie, moins de vitalité, moins de peps. Vous vous sentez pas libéré voilà, de cette gêne respiratoire, ça vous encombre. Bah, vous êtes peut-être aussi un peu encombré aussi. C'est possible. Et après, donc, une fois que vous serez libéré de cette toux persistante, de cette gêne respiratoire, stress, anxiété, angoisse et tout ça, peur, et après votre sommeil, il va se rééquilibrer. Vous allez avoir un très très bon sommeil, très réparateur. Un sommeil apaisant, des soirées et une nuit réconfortante, vous voyez? Là, vous avez vraiment besoin de réconfort dans votre santé, dans votre bien-être, dans sur cette situation, on a besoin d'un beaucoup, beaucoup, beaucoup de réconfort. D'accord? Voilà. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. J'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. Et à mettre des pouces. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!